je viens d'avoir un petit coup avec le colis, donc j'ai mis une sonne pour venir me livrer le colis. Et je dis ok, je vais vite ouvrir et tout. Il me dit c'est bien le 27. Je fais oui, c'est bien le 27. Et puis il part. Et puis nous, enfin, et en fait là je me rends compte que le colis est énorme et que c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Et je vois tout de suite sur l'étiquette que c'est pas mon adresse, ni mon nom d'ailleurs. Donc je cours vers le monsieur avec le colis qui pèse 3 tonnes, qui était déjà parti, et je fais c'est pas le mien. Il me fait comment ça? Je fais c'est pas la bonne rue. C'est le bon numéro, mais pas la bonne rue. Donc là-dessus, nous voilà à chercher le colis. Finalement, il avait bien mon colis, mais c'était effectivement beaucoup plus petit. Donc voilà, et c'est des fameuses poudres que j'ai commandées, ben, mercredi, je pense, finalement. Ah non, pas mercredi, je travaillais, donc je les ai commandées hier matin. C'est quoi comme signe, ça? Quand on attend toute une soirée, on doit se tracasser ou... C'est fou le nombre. Attends, c'est la vétérinaire. Il faut protéger cette mouche. Mais non, c'est la mouche qui pique. Bon, ben retour de chez la véto. Bon, ben ta capu est vide. Voilà. Ce qu'on voyait en toute sa graisse, c'était son rein. Donc, capu est vide. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal. Ça fait une portée à la fois. Voilà, on réessayera. De toute façon, j'entends toujours deux à la fois. Pour espérer toujours en avoir au moins une de prise. Donc ça veut dire qu'en février, ben, on est reparti, on retente et on verra bien ce que ça donnera en février. Je vous dis pas avec qui, je vous dis pas quoi, qu'est-ce, comment, je sais rien encore. Enfin si, je sais, mais je préfère ne rien dire, comme ça au moins c'est surprise à chaque fois. Gardons un peu de mystère. Mais donc voilà, Capu est vide. Ce qu'il faut retenir du jour, Capu est vide. Donc on n'aura pas de bébé de Capu. Et on a pris rendez-vous pour la radio le... Donc ça c'est bon. Au moins ça c'est une bonne chose de faite. Ça va aller très vite. Hein, puisqu'il nous reste ce week-end. Il nous reste 3 week-ends. 3 week-ends dans 3 week-ends. Ben tout simplement... Le quatrième, je serai de garde, tout simplement. Il me reste ce week-end-ci, le week-end prochain, où il faut que j'installe ma maternité, parce que dans le courant de la semaine qui suit, elle devra passer là-dedans. Et puis après, bon, on est parti pour les moins de 10 jours, comme ça. Ça va aller, on va survivre. Et donc, on y croit. Alors, je laisse une note, je l'ai dégagée à fond derrière. Il faut juste encore que je fasse les tontes, et ça, je le ferai avec mon mari. Ce sera beaucoup plus simple. Il faut que je retonte tout le monde, il faut que je fasse les tontes de propreté chez les poils longs. Mais j'avoue qu'ils ne sont pas hyper fans de la chose. Donc, je les laisse un peu, voilà. J'ai une souille qui vient de sortir, que j'ai... Ouais, j'ai enlevé largement derrière parce qu'il avait énormément de nœuds. Donc j'ai dû beaucoup couper, par exemple par rapport à Capu où j'ai laissé les arrières fort fournis. Parce qu'en fait je compte tondre, donc ça va enlever une grosse partie. Mais c'est vrai que j'ai parfait belle. Je me rends compte qu'en fait je l'ai laissé un peu horrible en fait. Par rapport à Nuts où j'ai coupé vraiment court court. À côté de Nuts, elle paraît un peu horrible. C'est surtout question de les laver plus que de toiletter, hein, faut rester très honnête. Note, j'ai coupé court parce qu'il avait beaucoup de nœuds. Donc lui, il fallait que Capu, elle fait pas de nœuds en fait. Elle a pas le même poil et elle a un poil qui fait quasi pas de nœuds. Donc c'est vrai qu'elle, j'ai pas eu besoin, mais je vais juste lui faire une tonte de propreté. C'est plus simple. Voilà. Mais comme ça, bon, vous avez tout le monde avec tous les bras de mon fils qui traînent. Voilà. Alors je comptais continuer à faire mes chiens, sauf que voilà l'état du ciel. Donc je vais arrêter pour pouvoir vite tout faire, pour pouvoir rentrer tout le monde.
à l'intérieur. Et puis on continuera demain. Et donc on fera le nettoyage à la pièce totale demain. Moi, entre-temps, je vais me remettre à faire ce que j'ai à faire sur le PC. Et puis de toute façon, j'ai des machines à faire. Donc voilà, on va faire tout ça. Ça va être bien. Et donc là, on a Targa. Targa qui... Donc là, on a Targa qui est avec moi. Donc, Targa qui attend famille. Ça, c'est une certitude. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer doucement. Oui, merci. Tu te couches? On se couche ou pas? On se couche ou pas? Est-ce qu'on se couche? Non, tu peux pas. Ce que je vais faire pour avoir plus simple et voir ce que je filme, c'est que je vais faire ça comme ça. Voilà. Et en fait, on commence tout doucement. Ah, j'essaie de vous montrer, mais c'est dur. On commence tout doucement à voir que le bidou. Voilà. Et il y a des petits. On commence à les sentir. Il y a les tétines qui sont sorties à mort. Attendez, j'essaie de tout vous montrer. Vous voyez, il y a les têtes qui sortent très fort et ça, c'est normal. Hein, voilà, les tétines qui se développent. Et alors, on commence tout doucement à pouvoir... Là, il y en a un qui est là. On commence tout doucement à pouvoir les sentir. Hein, ça bougeotte, mais on ne sait pas combien il y en a. Donc, c'est un peu... Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de voir, de les compter à la... Avec, j'ai un truc pour les battements de cœur. Et en fait, avec ça, généralement, j'essaie de les compter. Et généralement, j'y arrive pas trop mal. Franchement, j'en trouve... C'est comme ça que, par exemple, Nina, moi, j'étais persuadée qu'il y en avait 4. C'était grâce à ça. Donc, je vais le tenter aussi. Là, j'attends un petit peu parce que... Mais... Un peu complexe. Hein, madame est encore très, très speed. Elle n'est pas encore dans la phase calme. Pas du tout, même. Mais donc voilà, donc on va encore attendre un petit peu. À mon avis, je ferai ça semaine prochaine ou quoi, quand je serai au calme. Là, c'est un peu le speed aujourd'hui. Demain, madame passe à la douche, comme ça elle sentira bon. On va tondre bien comme il faut tout le bidou, justement, parce que là on avait tondu juste pour les coups. Mais il faut vraiment dégager, vous voyez, jusque là, vraiment, il faut aller dégager toutes les tétines et bien dégager évidemment les fesses. Ça simplifie quand même les choses quand il n'y a pas plein de poils. Quand il n'y a pas plein de poils, ça simplifie quand même. Donc moi, j'aime bien les raser bien avant. Comme ça, ça évite qu'elles ne se blessent. Voilà, les chiots ont plus facile à trouver des tétines. C'est plus propre aussi, c'est plus hygiénique. Quand la chienne va dehors et qu'elle rentre et que les petits veulent téter, il suffit simplement de laver la zone. Mais c'est quand même vachement plus propre quand il y a des poils qu'on traînait partout. Quoi. Donc voilà, on a reçu la commande avec le fameux désinfectant que je n'utilise que quand j'ai les portées, parce que comme ça me permet qu'il n'y ait pas d'habituation des germes chez moi par rapport à celui-là. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer à tout préparer. Oui, on va préparer. Tu veux que je prépare ta caisse? Tu veux que je commence à préparer ta caisse? Est-ce que tu veux que je prépare ta caisse ce week-end? On va préparer la caisse. Mais tu n'iras pas dedans ce week-end, hein? Tu n'iras pas dedans? Mais non, 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 non. Ils iront dedans. Compter, en fait. Déjà, à ce moment-là, en fait, au moment où on va faire la radio, ça va être quelques jours. C'est une semaine où moi, j'ai intérêt à beaucoup me reposer. Voilà. Donc, je sais que cette semaine-là, je dois me reposer, ce qui ne va pas être simple parce que j'ai pas mal de choses. Cette semaine-là, c'est la dernière semaine un peu hard avant les vacances. Donc, mais j'ai pas le choix, il faut que je me repose un maximum cette semaine-là pour pouvoir être en forme, parce que derrière, il va falloir que j'enchaîne pas mal de nuits. Je vous expliquerai aussi, mais il y a de grandes chances que je doive dormir dans la pièce beaucoup plus longtemps avant la mise bas. Donc, dès le moment où elle va être dans l'enclos de mise bas, parce qu'en fait, elle a un petit souci depuis toujours. Elle a été séparée de sa maman très jeune, Targa. Et donc, elle a un petit souci avec le fait d'être toute seule. Et donc, il y a de grandes chances que je doive rester avec elle au niveau de la maternité pour qu'elle ne stresse pas trop, parce que sinon, elle risquerait de paniquer. Voilà. Grande joie, Cotillon. C'est des super moments qui m'attendent. Vis ma vie d'éleveur. Voilà. Après, je le savais, hein, quand j'ai fait reproduire. Si j'avais pas eu envie de vivre ça, c'est très clair, je la stérilisais, je la remettais en famille. Voilà. C'est parce que j'ai eu envie. Donc, maintenant, on va assumer.